Nous sommes sur un site qui a trois activités. Une activité d'entreprise adaptée avec une activité menuiserie, qui est l'activité qui a été touchée par l'incendie. Et puis par ailleurs, une activité d'ESAT avec un restaurant qui n'a pas été touché par l'incendie. Et puis des activités d'une unité d'insertion professionnelle avec des espaces verts, infographies et autres activités qui n'ont pas été aussi touchées par l'incendie en ces instants. Possiblement, puisque le parc machine de l'entreprise adaptée menuiserie n'a pas été touché, il n'est pas impossible que nous puissions remettre le parc machine en route au début de l'année. Seul l'expert nous le dira. Après, pour les activités effectivement d'assemblage et de transformation, là, il va nous falloir effectivement trouver un plateau sur les zones d'activité à proximité de La Roche-sur-Yon pour pouvoir poursuivre cette activité en début d'année.